Par exemple, ça, pour donner un exemple, j'étais anti-PlayStation. Étant un gamin, j'ai voulu absolument la 64. J'en suis ravi, hein, d'ailleurs. Hein, j'ai pu découvrir Ocarina of Time, qui un truc très cool. Enfin, je pense que c'est un truc que j'ai jamais dit à mes parents. Heureusement, j'avais pas eu live. Quand Ocarina of Time est sorti, alors on s'en rappelle pas forcément, mais il y avait énormément de ruptures de stock quand le jeu est sorti. Et j'ai peut-être mis. Un mois et demi avant l'avoir, parce que voilà, le magasin n'avait pas. Et tous les mardis, parce que c'était le mardi qu'ils recevaient les jeux, tous les mardis j'appelais mon Strata Game pour savoir bonjour, vous avez reçu Zelda, bonjour, vous avez reçu Zelda. J'avais eu mes 500 francs à l'époque que j'avais précieusement caché dans ma chambre. Et le jour où il est sorti, enfin le jour où je l'ai eu, enfin, je suis tombé malade. À peu près une petite semaine, j'ai eu une grosse grippe, une petite semaine. Et mes parents étaient bossés, donc ils me laissaient à la maison toute la journée. Et rentraient à midi pour manger. Et en fait, j'avais l'avantage, c'est que j'habitais dans une quasi-impasse. Et du coup, je reconnaissais le bruit du moteur de la voiture de mes parents. Et en fait, quand ils rentraient à midi, je tenais la télé, je regardais. Puis il y a la console. Ça va ? Oh, non, me reposer encore un peu, je vais dormir. Et j'ai pensé au Ocarina of Time comme ça. Pendant 3-4 jours, c'était génial.